Salut à toutes et à tous, pour ce guide des instances 125 sur Median XL Part 2, je vais vous montrer comment aller tuer Lilith puis Veltak et ensuite on terminera avec le fameux bal, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Je continue les guides avec l'instance numéro 33, on arrive sur Toraja et pour récupérer Lilias Curse. Alors c'est une instance qui est plus ou moins utile en fonction de vos objectifs je vais vous indiquer après pourquoi, mais déjà pour la trouver vous prenez Torjan Jungle et vous allez au niveau du cimetière donc il suffit d'aller d'aller tout droit et vous allez avoir besoin de ce fameux sort Edirem qui vous permet enfin de Summon Edirem exactement qui vous permet de récupérer, enfin de créer des invocations et de pouvoir taper les mobs de cette instance, donc ça si vous l'avez pas du coup c'est rappé déjà mais normalement si vous avez bien suivi les autres guides vous devrez l'avoir, donc c'est sur la gauche à ce niveau voilà. et euh, vous allez avoir euh, une archère euh, du, euh, de l'encampement rogue, euh, de des rogues à l'acte 1 et ensuite vous avez juste à envoyer vos invoques et vous pourrez du coup euh, la tuer assez facilement. Une fois qu'elle est morte, vous avez juste à prendre le TP du coup et euh, garder pas trop loin votre sort pour invoquer des, des, euh, les super barbares parce que vous allez encore en avoir besoin. Donc en fait, euh, la technique c'est que les creeps sont euh, insensibles à vos attaques du moment qu'ils n'ont pas encore été touchés par euh, les barbares. Donc il y a deux façons de réaliser cette instance. Euh, soit vous faites un peu, bon là avec mon barbare au corps à corps, c'était pas euh, ultra simple de pouvoir taper euh, les ennemis à distance. Donc là j'ai juste balancé euh, mes invocations. Et surtout qu'elle mourrait vite, donc euh, je l'envoie mes invocations et puis ça, ça dégraisse au fur et à mesure. Mais si par exemple vous jouez euh, Spellcaster ou euh, Invocation, euh, vous pouvez très bien du coup les utiliser pour tuer, euh, pour tuer les creeps. Donc cette instance, euh, je disais tout à l'heure qu'elle n'était pas forcément ultra utile en fonction de vos besoins, c'est parce que c'est surtout une zone de farm pour tout ce qui est les trois runes type euh, que vous, 3 great runes que vous pouvez drop à Toraja, donc ça c'est vraiment trois runes qui sont spécifiques à cette zone, vous pourrez l'avoir nulle part ailleurs donc si vous ne faites pas d'échange et que vous avez besoin de ces runes là, vous devrez fermer l'instance euh, après autrement, le charme c'est probablement le charme le plus nul du jeu, du coup il va pas être forcément très utile euh, pour vous de faire l'instance si jamais euh, vous n'avez pas envie de vous embêter avec celle là donc vous allez aller tout au fond de l'instance et puis on va trouver Lilith euh, tout au bout. Et cette Lilith du coup elle a la particularité euh, de faire plein d'invocations. Donc vous allez devoir gérer la masse d'invocations qui est faite par le boss mais aussi de voir la DPS. Donc euh, vous avez plusieurs choix. Si vous êtes lanceur de sorts, bah du coup envoyez les invocations et taper dessus. Au corps à corps c'est pareil, commencez à taper dessus. Parce que là vous voyez si je mets juste les invocations elle perd vraiment pas beaucoup de vie. Donc par contre dès que vous commencez à la taper on a les boules de, de la mage qui la déchire. Gomme vraiment très rapidement donc ça vous permet comme ça de pouvoir récupérer le charme donc ce fameux charme du coup qui apporte pas grand chose un peu de résist un peu de vie pour les summon et l'irème et c'est à peu près tout pour ça que si les greater Rune vous intéressent pas la zone n'est pas forcément ultra utile On passe maintenant à valtech l'instance numéro 34 qui va être découpée en deux étapes donc la première vous allez à caldeum et vous allez à ce niveau là sur valtech 7 quest qui est nécessaire pour pouvoir tuer le boss alors attention, prévoyez euh, d'avoir pris un verre d'eau, d'avoir été aux toilettes, de grignoter quelque chose éventuellement avant de faire cette instance parce que celle-ci est ultra longue. Donc vous allez avoir cinq labyrinthes en fait, et quand je dis des labyrinthes, c'est pas euh, juste des endroits où vous regardez sur la carte pour pouvoir y aller, c'est vraiment des labyrinthes. Euh, si ce n'est, on va dire le labyrinthe numéro 2 qui est un peu plus simple parce que vous avez les portes d'indiquer, donc il euh, faudra juste lire la carte. Mais autrement, vous pouvez pas déjà vous téléporter à travers les murs, hein, ça serait tricher évidemment, et vous allez devoir trouver à chaque fois deux. Chemin. Donc il y a un chemin qui va vous amener au labyrinthe d'après euh, et un autre chemin qui va vous amener au boss de ce labyrinthe-là. Donc quand vous, là sur la carte, vous voyez, c'est l'instance qui est tout en bas. Donc cette instance, c'est vraiment ultra important de faire à chaque fois le boss qui est euh, là en bas de là où je suis et le chemin qui lui par contre se situe un petit peu plus sur la droite. Donc il n'y a pas de secret sur cette carte, hein, il n'y a, a pas de hack ni rien. Vous pouvez juste prendre votre temps, regarder où vous allez voir bien les murs, notamment au niveau du premier, parce que vous avez en fait euh, des trous dans les portes qui sont pas, enfin des trous dans les murs qui sont pas indiqués, et du coup vous devez bien faire attention où vous passez pour pouvoir trouver les deux chemins. Donc des fois je crois qu'il y a un ou deux labyrinthes, je crois qu'il y a un seul labyrinthe d'ailleurs où il y a un seul chemin, euh, mais euh, en général vous avez toujours deux chemins à trouver, vraiment celui pour aller au boss et celui pour pouvoir ensuite aller euh, à l'autre instance. Donc là je vais vous montrer le passage, enfin euh, quand je dis d'instance c'est euh, plutôt d'une zone et une autre hein, ça va être dans la même, euh, au même endroit donc le passage vous voyez c'est juste un escalier comme ça qui est pas non plus marqué sur la carte donc il faut vraiment bien ouvrir l'œil et regarder où vous allez au besoin vous avez un portail qui vous ramène à la zone d'avant sachant que là j'avais pas encore tué le boss du coup euh, bah, il faut que je revienne parce que c'est vraiment encore une fois ultra important de tuer tous les boss et il y a 5 boss sur cette carte avec 5 labyrinthes il faut vraiment tous les tuer donc, une fois que vous avez trouvé le chemin pour euh, l'instance de boss, euh, le boss en soi n'est pas ultra compliqué. Hein. Il suffit de le, de le tataner. Vous avez au besoin euh, d'activer un, un TP pour retourner en ville. Et ensuite, vous le tuez. Il ne fait pas extrêmement mal. Il n'a pas non plus beaucoup de points de vue. Donc, normalement, vous devriez le faire sans trop de soucis. Vous le tuez et il va drop de 7. Il y a des 7 qui sont vraiment clé pour pouvoir de toute façon c'est l'objectif hein, c'est de récupérer ces deux sets et c'est pour ça qu'il faut que vous les tuez euh, bah, que vous tuez ces cinq boss et à chaque fois ils vont drop soit l'un soit l'autre soit les deux euh, je sais plus exactement mais toujours est-il qu'en tuant les 5 vous allez récupérer toutes les parties du set et vous allez pouvoir comme ça l'équiper donc ça c'est une fois que vous l'aurez euh, il ressemble à ça le premier et euh, lui il y a l'autre qui est juste en dessous qui est euh, l'anneau et une fois que vous avez tout les équipements, donc ça va remplacer tout votre équipement, c'est-à-dire euh, armes, euh, ép épée, bouclier, gants, deux anneaux, une amulette, ceinture, bottes, euh, armure et casque. Vous allez pouvoir faire euh, la quête de tuer le boss. Donc il n'y a pas franchement de secret comme je disais tout à l'heure sur cette carte. Juste prenez votre temps, ouvrez les yeux, si vous êtes plusieurs, c'est aussi plus simple. Comme ça, vous partagez, vous mettez euh, un qui va à gauche, l'autre à droite, et comme ça le premier qui trouve il fait un TP à son camarade, et euh, ça vous permet d'aller euh, plus facilement à la fin. Mais à part ça, voilà, prenez votre temps, récupérez, tuez les 5 boss, récupérez les 7. Là par exemple, vous voyez le passage, il n'est pas du tout indiqué sur la carte. Là, euh, je crois que c'était le. Jusqu'au... C'était au labyrinthe 4 ou 5. Enfin bref. Et du coup, euh, c'est vraiment... Euh, Passant, il faut bien se repérer dans la carte pour pouvoir euh, terminer cette instance, et euh, je crois que ça a pris une heure environ pour que je la finisse euh, en y allant vraiment euh, à tâtons. Si vous êtes sorti en un seul morceau, vous allez pouvoir équiper complètement votre set et aller pouvoir taper le boss. Mauvaise nouvelle, c'est que c'est la partie la plus dure de la quête. Malheureusement, euh, vos efforts euh, pas été, ne sont pas encore euh, terminés. Donc on va avoir deux sorts, Holy Bolt et Arcane Blast. Holy Bolt, ça va permettre de taper le boss et Arcane Blast, lui, va permettre de nettoyer ses agros. Donc on va juste à Caldeum, c'est directement euh, en face de la zone de spawn quand vous vous téléportez là-bas. Et euh, comme ça vous allez devoir taper un totem. Donc pour l'instant, on ne peut toujours pas activer les, les sorts, c'est normal, il faut attendre un petit peu, vous allez voir les animations, etc., etc. Et ensuite, le combat va pouvoir commencer. Donc vous avez un peu de temps pour mourir, euh, notamment pour bien connaître le boss, etc. et pour le descendre le plus possible. Donc le boss en soi il n'est pas extrêmement compliqué. Par contre ce qui va être très dur c'est de réussir à le viser avec votre Bolt, Parce qu'il fait des invocations en permanence et du coup pour pouvoir le toucher avec le hollyball ça va pas être ultra simple. Donc la technique ça va être vraiment de, euh, de nettoyer la zone. Et ensuite, d'envoyer un oil e bolt et de faire ça le plus souvent possible, enfin le plus rapidement possible pour éviter bah, de perdre trop de temps et euh, surtout de pouvoir le tuer. Donc, sachant que quand, il reste, euh, quand vous êtes à 0 minutes, vous n'allez plus pouvoir du coup euh, remonter en ville. Donc, prenez bien un stock de potions et euh, comme ça, vous allez pouvoir essayer de le tuer. Il fait pas extrêmement mal, il a quelques sorts comme vous pouvez le voir là, mais euh, c'est vraiment le, le fait de pouvoir le toucher avec le, le sort euh, le holy bolt qui est de la même taille que euh, comment il s'appelle que purify. Donc si vous aimez pas déjà viser avec purify, ça va être le même problème. Là, j'ai réussi à le toucher. Donc vous voyez deux, là, il s'est pris deux tirs, donc ça lui fait, on va dire, les 5 Du coup, faut que vous le touchiez à peu près 20 fois euh, pour que vous puissiez arriver à, à tuer le boss. Donc procédez par étapes, même si là il n'a plus de vie. Moi j'ai quasiment plus de potions, donc j'ai pas envie de, de mourir là-dessus. Euh, utilisez la téléportation en besoin pour placer euh, vos bols quand vous vous rapprochez le plus de lui. Et euh, comme ça, vous pourrez euh, arriver à le tuer. Faites attention aussi en ramassant le charme. Hein, il y a encore les invoques si vous ne les avez pas finis. Donc faites gaffe à ça, parce que bah, du coup, vous pourriez mourir de précipitation en allant chercher le charme. Sachant que le charme, euh, il a euh, pas mal de stats, que ce soit du, du spell focus ou du crushing blow, mais euh, il a surtout une stat qui peut être intéressante, c'est qu'il va euh, euh, donner plus 1 au skill si vous avez de la chance. Donc là, moi, ça n'a pas été le cas. J'ai réussi à le finir avec une boule au corps à corps, qui sont quand même les plus simples pour pouvoir le tuer. Je clean bien tout ça parce que les invocations, mine de rien, elles font mal si elles s'en occupent pas. Mais euh, autrement, c'est pas beaucoup de PV. Et une fois que tout est mort, je prie pour pas d'ailleurs voir une petite déconnexion qui m'est arrivée. Et je vais récupérer mon charme. Donc là qui malheureusement, du coup, aura pas les stats avec le plus un skill. Du coup, faudra éventuellement le refaire. Euh, mais euh, voilà, au moins vous aurez le guide pour bien tuer facilement ce boss. Même si c'est assez long de récupérer le set puis d'aller le tuer. 35e instance on va enfin aller tapoter balle donc c'est à peu près le bon moment si vous avez réussi les 34 instances précédentes pour pouvoir le tuer euh, parce que vous devriez avoir assez de résistance et assez de dégâts ça dépendra évidemment de vos builds mais euh, c'est environ le, le moment pour pouvoir aller euh, taper balle donc il faudra comme je vous le disais, beaucoup de dégâts et beaucoup de résistance parce qu'il va faire des invoques et le but, ça va être de tuer ses invoques assez rapidement pour éviter d'avoir d'autres invoques. Parce que ses invoques le rendent invulnérable et du coup, bah, s'il est tout le temps invulnérable, ça va être beaucoup plus compliqué pour le tuer. Donc, vous commencez à le tataner. Là, j'avais oublié de, de réparer mes objets, un peu dommage. Et vous allez avoir 20 minutes au besoin pour mourir. Le but, ça va être de ne pas trop s'écarter du boss. Euh, J'ai remarqué que si vous êtes plus loin de lui... Il a tendance à faire plus d'invocations. Alors après, c'est peut-être un, un, un biais cognitif, mais j'ai l'impression que si vous êtes prêt, il s'occupe plus de vous taper sur vous que, euh, que du coup de faire des invocations. Là, je vais avoir peu d'invocations. J'ai eu un petit dinosaure et puis c'est tout. Essayez de bien les regrouper. Notamment si vous avez de la, de la vol de vie, vous pouvez plus liche. Moi, c'est plus facile, j'ai plus si j'ai plus d'aggro pour pouvoir voler la vie des ennemis. Vu qu'il y en a plusieurs, ça me soigne mieux. Et je résiste au mieux, même s'ils sont plusieurs à me taper. Donc n'hésitez pas à les packs et ça vous permettra aussi d'aller beaucoup plus vite pour pouvoir les tuer donc là on a encore dégommé un autre dinosaure les dinosaures le rendent pas invulnérable c'est euh, juste que ça va buff les euh, autres alliés ce qui va le rendre invulnérable c'est les invocations des précédents actes donc là on a par exemple on a diablo euh, qui est pas le plus compliqué, euh, si ce n'est son laser qui est un peu en kikinant, donc éventuellement vous pouvez vous pousser. Et là, ce que je fais, c'est que je tape encore balle. Donc balle est invulnérable, mais vu que j'ai du vol de vie, j'arrive quand même à liche dessus en fait. Donc c'est important, euh, surtout si vous tapez encore une fois avec le vol de vie. Si vous tapez en sort, ça changera rien, mais en vol de vie, ça va me permettre d'avoir plus de vol de vie, même si balle va pas prendre de dégâts. Donc je continue à le taper. Ils ont beaucoup de points de vie. Hein. C'est quand même euh, les invocations ont beaucoup de points de vie. C'est pour ça qu'il faut pas mal de DPS pour pouvoir le tuer et comme ça pouvoir repasser à balle. Donc là, il m'a envoyé son copain Duriel, Duriel qui est aussi à peu près, euh, à peu près ok. Euh, Duriel et Andariel ça va. Ensuite, je mettrais Diablo et le plus compliqué pour moi, ça a été Mephisto parce qu'il a vraiment des DPS assez énormes et euh, et du coup, donc il sera un peu plus tard dans, dans la vidéo, mais euh, autrement. Voilà, donc vous voulez paquer et il faut vraiment essayer de taper les, les boss, surtout les invocations qui rendent balle invulnérable en même temps. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est soit que vous n'avez pas assez de résistance, soit vous n'avez pas assez de dégâts. Donc au pire, réessayez re un peu plus tard, passez aux instances qui sont après. Mais si vous avez du mal à tuer Ball, les instances 36, 37, 38 euh, vont être déjà plus compliquées euh, que celle ci Donc. Normalement, c'est revoyer éventuellement votre équipement, améliorer une pièce, etc. pour pouvoir taper plus fort. Donc, je continue en accéléré. Euh, encore une fois, le. le plus embêtant. Là, ça va, ça va venir par tomber. Donc, vous voyez, je les pack vraiment moi pour pouvoir euh, les tuer euh, en étant encore à corps. Et euh, après, sur le Mephisto, où j'ai eu plus de mal parce que bah, il, fait, il fait très mal hein, justement. Et en plus, euh, il a la fâcheuse tendance à se barrer. Donc, j'essaye au mieux de les pack encore pour pouvoir liche et tuer éventuellement les dinosaures qui sont à côté. Mais c'est beaucoup plus compliqué avec Mephisto. Donc là, euh, ça m'a pris un peu de temps. Ça se passe. Pas trop mal, euh, j'arrive à le DPS, mais euh, j'arrive pas, j'ai beaucoup plus de mal à les packs, donc euh, je continue en priant qu'il n'y ait pas du coup une autre invocation qui vient se mettre par-dessus. Je vais aller le récupérer parce que ouais, il aime bien s'en euh, aller, donc je veux le tuer et euh, heureusement il y a Bal qui me suit. Donc si vous voulez les packs, allez plutôt sur Mephisto et euh, éventuellement Bal va finir par se décider à vous rejoindre, donc comme ça vous pourrez les tuer et après vous pourrez euh, dégommer Bal. Donc je passe euh, sur le charme parce que là au final le plus dur est fait. Il va juste finir par mourir euh, gentiment. Le charme il va vous permettre de mettre des points en plus dans vos sorts de base. Donc par exemple moi je joue euh, je joue euh, Earthquake et euh, et euh, pluie de pluie de pierre. Je sais plus comment ça s'appelle. <laughs> Bref du coup je vais pouvoir mettre jusqu'à 5 points de plus dans earthquake et 0 points dans euh, dans la pluie de pierre. Donc c'est assez très situationnel vraiment ce, ce charme on va dire. Donc réfléchissez bien pour moi par exemple pour mon build, il n'y a aucun intérêt parce que je passe ça me coûte 10 points de stats, enfin 10 points de skill à mettre sur euh, sur mon pour avoir les 5 points on va dire de earthquake. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre build, vous voyez, à chaque fois si je mets deux points, je peux améliorer d'un point mes sorts. Euh, donc ça reste très situationnel. Voyez si vous en avez une utilité ou pas. Après au moins vous aurez fini le jeu en L. Donc c'est le, le plus gros achievement quand même. Enfin euh, le plus achievement sympa on va dire euh, de, euh, de Diablo 2 au global. Et merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ce guide vous sera utile et que les instances du coup seront moins compliquées. Et on se retrouve pour les prochaines instances sur Medium XL.